Il a été question de consolider les relations avec les pays européens, améliorer les produits agricoles et lancer l'industrie agroalimentaire afin de valoriser le label algérien. De presse concernant le salon international de l'agroalimentaire, de l'agroéquipement, le salon CIPSA qui est connu, et AgroFood aussi. AgroFood, c'est la valorisation des produits agricoles. 121 entreprises sont en Algérie avec des partenaires algériens. Ils sont en train de développer des richesses et ils créent des richesses et ils font utiliser et travailler dans le sol national. Et cette année, c'est l'Autriche qui est à l'honneur avec sa collaboration. Une coopération excellente entre l'Autriche et l'Algérie dans le domaine de l'agriculture. Et nous avons invité plusieurs entreprises autrichiennes de se présenter ici pour encore intensifier notre coopération. Les thématiques de la Fondation sont portées sur la valorisation des produits agricoles nationaux, la promotion de la protection du label algérien, la sécurité sanitaire et particulièrement l'assurance de la promotion des exportations hors hydrocarbures pour la sécurité alimentaire. Mais on est là pour augmenter la production agricole en Algérie, la production laitière ou la Vlekfi, la race Vlekfi donne un très bon rendement et une bonne adaptabilité aux conditions ici, et aussi pour la production laitière. Le salon CIPSA AgroFood se déroulera du 14 au 17 mai et sera dédié à l'agriculture. Il proposera des offres polyvalentes couvrant toutes sortes de besoins aux professionnels du secteur.